y'all feel out there? Maud, bonsoir, encore bonsoir. Une fois, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui nous écoutent peut-être? Que tu as fait Les Anges de la télé-réalité 5. Ouais. Tu assumes complètement, il n'y a aucun souci, on peut en parler. On peut en parler complètement, je l'assume, je l'ai fait, donc voilà, c'est, ce qui c'est, est fait il y a des gens qui le font et qui n'assument pas vraiment c'est après ça. Derrière. Ouais, hein. Ouais. Bah, ça dépend ce qu'ils font derrière. C'est ça, c'est ça, c'est pas faux. T'as sorti ton premier single en 2013. Ouais, en avril. C'est exact. Bien ça. Ouais. Love is what you make of. Ouais, il est... tu peux pas le dire. Ouais. Tu peux le chanter éventuellement, mais le dire, c'est compliqué. Devant toi, je vais pas trop le chanter, mais. Et là, tu viens donc nous parler évidemment de ton deuxième album. Ouais, déjà. Ouais. Qui s'appelle Poparoid. Exactement. Que je t'avoue, j'ai découvert cet après-midi. Ouais. Qui met la pêche. Il y a plein de thèmes différents. Tu chantes en français, tu chantes en anglais. Ouais. Ouais. Il y a des trucs un peu sombres même. J'ai été assez étonnée oui, parce que vu le nom. Les deux facettes. Ouais. Ouais. Mm. C'est plutôt intéressant. Je vous invite vraiment à le découvrir. Il est notamment sur Deezer. Hein. Vous pouvez aller le découvrir sur Deezer. Vous pouvez l'acheter. Voilà. Le mieux, c'est de l'acheter quand même. Bien sûr, achetez-le. Évidemment. Mais si vous voulez le découvrir avant de l'acheter, il est dispo sur bien Deezer. Sûr. Donc, quand on. Pourquoi Poparoid? Parce que pop, ok. Ouais. Aroid, Polaroid, je ouais, sais pas. Ouais, c'est ça, en fait. J'avais presque fini d'écrire, composer l'album. Ouais. Et on commençait à réfléchir à l'artwork, l'imagerie qu'on allait donner à l'album. Puis on a eu cette idée de Polaroid. Ouais. Et comme tu le sais, Polaroid est une marque. Ah, donc voilà, tu n'as pas le droit. Coup, on est parti sur ce jeu de mots, parce que c'est un vrai album de pop. Ouais. Pop, Polaroid, et ça a donné ce mix Poparoid. Il y a un jeune homme qui rentre dans notre appart. C'est notre voisin. Notre voisin Emery qui prend le relais à 21h sur Radio Vel. Bonsoir Emery. Bonsoir, ça va les filles? Bah, ça va et toi? Bah, je suis venu chercher du beurre. Ah bah écoute. Chérie, tu peux aller en boire au frigo, s'il te plaît. Non, mais on mange pas de beurre, on a compris. Faut que t'ailles voir les Madame Michaud au troisième étage. Bon, moi qui vais faire une soirée crêpe. C'est dommage. C'est dans la merde. Ça va, Maud? Mais ça va et bon, toi? Bon, je te suis, hein. C'est vrai. Nouvel album ou CD, c'est Poparoid ou un truc comme ça? Poparoid. Ah, Poparoid. C'était presque voilà, ça. Pas loin. Poparoid. J'ai vu la pochette. C'est confondu qu'il y a Papa Moutier. Vous moquez pas les filles. Il essaie de faire ma promo, attends. Non, j'ai vu la pochette, j'adore. C'est non, là, il essaie de te draguer en fait. Ouais. C'est ce qu'on a dit, la pochette est canon. Merci, t'es super dessus, bah, t'es super en vrai d'ailleurs. Regardez-la sur player.radiover.fr. Elle est mieux en vrai, elle est mieux. T'as envie de pécho, Emery, qu'il se passe quoi? De quoi? T'as envie de pécho, en fait, le beurre, c'est que je suis énervé, c'était un prétexte, le beurre, vous l'avez compris. Oui. Et donc, je cherche laquelle est la plus ouverte, pour faire quoi? Ah non, mais il n'y a pas de ça chez nous, tu rigoles ou quoi? Non, on vient de faire l'apologie du célibat, tout ça, on est très bien toute seule. Non, il y a Alexia qui a dit que le célibat, bon. C'était la loose. Voilà. Bon. Alexia est très open, apparemment. Voilà. Elle est très sur les réseaux sociaux, même pendant l'acte, il faut le laisser faire. Oh là là, c'est bon ça. Périscope en direct. Il y a un mec qui rentre dans la coloc, c'est le bordel. Ah, c'est le bordel. Hein. Mais je vais finir comme d'hab, chez la gardienne, chez Madame Pereira. Elle fait 300 kilos, elle dit je vais finir chez elle. Voilà. On essaie de faire une émission bonne ambiance et tout, et ça y est. Bon, je vais chez Madame Pereira alors. Hein. Okay, allez, au revoir. Allez, merci. Au plaisir, mode. Continue. Passe bonjour à Madame Pereira. Avec plaisir. Allez. Drinks up, can't get enough. Let's make love before we gotta get down. Down. Tu peux clapper. Time's up, don't give a fuck. Fall in love before we gotta get down. Down. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Jingle, jingle, c'est Cara. Ok. On le garde là, c'est ouais. Dans la boîte. Ouais. Eh bien donc, moi je me suis lancée la dernière, il y a peu de temps, sur un sondage sur Twitter dont oui. La question était, attention, oui. Faut-il coucher, pour ou contre coucher le premier soir? Alors ça c'est une question... grand débat toujours. Voilà, le grand débat, les questions qu'on se pose au café entre potes, entre copines... un peu à n'importe, enfin, ouais, à voilà, n'importe quel âge, quand on commence sa sexualité, ouais. Quand on l'a fini aussi, voilà... Genre à 80 ans, tu te poses la question. Voilà, et donc en fait, le sondage a été. Vous avez beaucoup participé et je vous en remercie. Et donc là, le résultat du sondage a été 79% pour coucher le premier soir. Pour coucher le premier soir. Ok. On est vieux. Ok. Voilà. Alors, les filles, juste, je coupe Cara. Je tiens à dire que quelqu'un avec le compte Les Colocs a cliqué sur pour. Ce n'est pas moi. Donc, il y en a une de vous deux qui a cliqué sur pour. Ouh.
À mon avis, c'est le CM, c'est le community manager. C'est Louis, voilà, on le dénonce. On va s'écouter un extrait de ton album, que c'est ma préférée. C'est D'accord. Donne-moi le là, un featuring avec Bilali, on s'écoute un petit extrait. Qui ce soir nous a branché l'iPod direct. C'est... Tu demandes un morceau, bam, ça part. Je pense que c'est Maud. J'adore. Je laisse les Maud. Non, mais voilà, c'est mon petit coup de cœur de cet album. C'est très funk, ça, comme morceau, Maud. Oui, j'aime beaucoup la funk. C'est pas trop la culture en France, mais c'est vrai que dans l'album, il y a deux, trois morceaux comme ça qui sont un peu funk. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. How y'all feel out there?